Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et cas de 4 policiers pour des petits qui victimes, mais ça qui est plus alarmant, plus inquiétant pour nous, c'est que c'est des policiers qui étaient obligés de payer bandits l'argent pour être capables de retrouver la liberté. Nous faisons état tout de différents postes de police qui attaquaient par bandits armés. Et s'il est vrai que avant juin 2021, il y a des événements isolés qui étaient enregistrés côté que effectivement qu'on a des postes de police qui subit attaque dans les bandits armés. Mais sorti 1er juin pour arriver 7 juin 2021, c'est 9 postes de police qui attaquaient un seul coup par des bandits armés et tout fait partie de G9 par famille et alliés. Là, on a parlé du commissariat de Martissan, de sous-commissariat Bicentenaire, sous-commissariat Caso, antenne police Brouillard, sous-commissariat du Vivier, sous-commissariat Sierra 2, sous-commissariat Portail Saint-Joseph, avec antenne qui dans trois mains. Pour nous-mêmes, c'est très inquiétant, c'est très alarmant. Ça a passé à parce que nous n'étions pas que Bandi voulait lancer un message. Le message que justement il voulait lancer, c'est que il gagne contrôle pour tout prince, il contrôle la police. Là. Pour écouter Madame Mayrosi Auguste du Sénat, qui est responsable programme de RNDDH, plus loin, responsable programme de RNDDH, Mayrosi du Sénat, fait croire que il y a plus passé 60% policiers qui dans unité spécialisée dans la police là qui en détachement à autorité ou bien avec citoyens dans secteur privé. Madame Rosy Auguste du Sénat fait croire présenter rapport NDDH là pour parler sous mauvaise gestion il y a fait de institution PNH là. Comme ça, RNDDH critique le comportement responsable PNH qui a multiplié les stratégies pour craser le syndicat SPNH là, et puis mettre dans prison Abelson Gounègue, mettre mandat derrière plusieurs autres membres SPNH 17 là, Mario Christ du Sénat exige enquête sérieuse sur assassinat différents policiers et puis enquête sur UGPNH là. Façon l'a utilisé matériel l'État. Mario Rosy Auguste du Sénat a parlé pour une deuxième fois. Nous parlons tout de utilisation matériel policier, parlé tout de mauvaise gestion personnelle, unité spécialisée, parce que selon l'information que nous avons au niveau de RNDDH, c'est pour plus petit 60% personnel, unité spécialisée, qui je ne dis en détachement. Avec autorité étatique, avec certains mondes dans le secteur privé des affaires là, avec certains mondes dans une famille alliée. Je ne veux dire, après on a parlé là, il y a des séries de policiers qui a veillé quand qui en litige, il y a des séries de policiers qui postaient sur des terres qui en litige, qui a veillé pour un parti ou bien pour un autre, ce qui est aussi inadmissible. Par rapport à tout problème ça, que nous fait état de nous dans le rapport ça, nous disons que nous pensons que je ne veux dire, PNH Capal gagne 26 ans, c'est le moment pour direction centrale police judiciaire. Bon, côté Pali, montrer que il y a accéléré différentes enquêtes sur assassinat policier qui mourit par balle. Parce que nous étions prêts que c'est le meilleur message que les CPJ capable de lancer par les policiers pour faire comprendre que bio important pour l'institution policière qui a appartenu à l'IA. Et d'ailleurs, c'est ça tout cap bayo plus en mouvement pour que continuer de travailler pour protéger vie avec bien l'autre monde qui est dans la population. Nous demandons l'inspection générale police nationale là, pour lui ouvrir une enquête sur l'utilisation matériel policier yo, par bandits armés dans différentes attaques armées qui font la population. Parce que nous avons cru que c'est une porte qui peut permettre que la population vienne regagner confiance dans l'institution policière là. Même si nous demandons l'inspection générale là, pour lui enquêter sur policiers qui de connivence avec des bandits armés, et puis pour enquêter tout de manière générale sur policiers qui impliqués dans tout cas des actes de violation de droits humains. Pour écouter Madame Marie-Rosy Auguste du Sénat, qui est responsable programme de RNDDH, il a présenté un rapport qu'elle fait sur l'institution qui dit qu'il y a 32 policiers qui ont perdu la vie dans la première moitié année 2021. Qui représentait un gros chiffre comparativement à l'année passée, à côté de seulement 26 policiers qui étaient morts pour toute année. Alors que dans la moitié année, ça, il y a déjà 32 policiers qui perdent la vie en babal, bandits armés dans la capitale pays, en Port-au-Prince. Dans le cadre du même dossier, police, là, on a rappelé tout que Mme Marie-Rosy Auguste a fait quoi que, il y a environ plus de 60% policiers qui n'ont
unité spécialisée, yo même qui pas au service pays, mais plutôt qui au service, qui en détachement avec autorité ou bien avec monde qui dans secteur privé. N'a pas signalé environ 25 policiers qui dans unité spécialisée qui t'a pris formation dans pays Guyane, mais t'es prend en transit dans pays États-Unis, policiers ça yo couru quitter aéroport, yo abandonné formation pour capable mettre yo en sécurité d'après première information yo. Donc policiers ça yo sauvé pour y arrêter dans le pays les États-Unis, d'après toute information que fait croire. Dans le même dossier sécurité, n'a pas avancé pour nous responsable conseil haïtien, acteur qui va dans l'État, Edmond Poultre, qualifié comme irresponsable. Déclaration directeur général pour Tibout Tempé PNH, M. Léon Charles, qui était lancé par la population, pour être capable de révolter face à la réaction gang armée à faire dans le pays d'Haïti. M. Poultre, invité Léon Charles pour capable remettre démission tout de suite en tête police, s'il pas capable de permettre la police accomplir mission li pour le protéger accès à la population, pour capable mettre fin à l'action bandit à faire en dans le pays d'Haïti. Nous invitons à écouter Edouard Poultre. C'est une déclaration non capable de dire qu'il est irresponsable de la part du chef police. Il faut que s'il n'a pas qu'à faire travail et la police là, il faut que les démissionner lui-même. Les joignent, les hériter de en police déjà politisé. Je vous dis, il y a besoin que ces populations y utilisent encore pour faire et ça le besoin que y a besoin faire. Et vraiment, c'est une déclaration non pensée qui est irresponsable de sa part. C'est chaque mois là le toucher chaque lit et tout commandement la police la fait même bagarre. Et je vous dis à nous quoi que c'est pour le rentablier. Maintenant, nous pensons que son pays qui est lagué par monde qui prétend que y a dirigé pays là. Maintenant, nous pensons que son pays qui est lagué par monde qui prétend que y a dirigé pays là. Yo pas gain aucun égard pour la souffrance de la population. Yo quitté des bandits, non seulement installons détresse au sein de quartiers entiers de côté monrété, et yo quitté à piller à faire yo. Et ceci, toute bagaille ça yo, y a passé en présence des Nations Unies, en présence d'une mission spéciale Nations Unies ici, en présence de grandes puissances étrangères qui établissent dans le pays a depuis longtemps, ils ont quitté Bagaïsa, ils ont fait. Et puis, je dis à, pour joindre de réunir ici, en présence de grandes puissances étrangères qui établissent dans le pays a depuis longtemps, ils ont quitté Bagaïsa, ils ont fait. Et puis je dis à pour joindre de responsables policiers à demander pour population révoltée et contre des bandits armés que eux-mêmes ils ont fini qui étaient installés en dans pays. Mais vraiment c'est très très irresponsable de la part du chef de la police et chef la police là pas pour compte lui, il gagne toute la puissance des grandes puissances établi dans le pays et aussi en présence des Nations Unies. C'est un scandale, oui. C'est un scandale pour que des centaines de familles aient souffri qualité souffrance. Eh bien oui, la police a couru pour bandits et puis je dis pour population et a couru des bandits, révolté contre bandits. C'est bah tête en bas. Son pays vraiment nous pas corriger la catastrophe là. Ça n'a pas gardé à la pas rien parce que c'est la volonté. Ça n'a pas gardé à la pas rien parce que c'est la volonté de toute l'armée qui est très puissante et puis qui quittait un régime politique fini avec PIA, j'en fini avec PIA. Et il a servi avec lui pour y détruire tout ça que Haïti a gagné comme valeur, comme solidarité. On a écouté Edouard Poultre qui a réagi sur déclaration. Directeur général police, Léon Charles, qui a demandé pour population révoltée face à Zach Bandi a fait un dans
pays d'Haïti. N'a pas toujours parlé de ces insécurités, hein. Nous parlé dans la Tibonite, en partie dans la commune de Djin, pour nous, dans la zone de Pierre-Paul, qui est petite fille, qui a du vent, qui est mourue jeudi passé, hein, devant porte bus ici, dans la commune de Djin. Fait qu'on est, c'est un complot qui était mariné pour assassiner Papa Li Alexandre Pierre-Paul nan Dezune. Nazland Pierre-Paul déclaré qu'il y a une quantité de corps qui était séparé pour Zak Sayo, te fait pendant qu'il a annoncé la police maré yon nan présumé assassin dans Mall Saint-Nicolas. N'a pas appelé Alexandre Pierre-Paul, canal du vent, te mouri avec plusieurs balles. À ce jeudi 10 juin passé, dans la commune Dezune, dans le département La Tibonite. Nazland Pierre-Paul, petite fille, Alexandre Pierre-Paul, à la canal du vent, qui sont bandits, et toujours abstimer la terre à porter précision. Les discussions avec Edwins, avec Metouche, y'aurait les ni messieurs ça pour y'a faire réunion avec eux. L'autre monde pas y'a pas paraît, y'a pas accepté. Jouge dit qui dit cela au tire papa. On se fait une petite discussion tout petit. La bien passé, c'est comme qui n'en met yo, qui fait au tire papa, si ça fait y'a pas de prendre, y'a pas de prendre. Paul nan men moun kòb la chò nan men yo fòk yo tire papa. Mais qui a arrêté oui? Oui, yo pran oui. Edwins, nou pa konn kòt lòt la. Tout net yo gèt abandonné la kòkòt yo rete net. Moun de djin, bwa de yo. Nou pa konn parce que gen moun ka vini yo pou ko vini. Non, nou kite zòn nan. Et kòb gèt nan men yo pou yo tire papa, yo pa fè négociation. Kòb la chò nan men yo se tire pou tire. Mais qui kote kòb la kote soti? Nou pa konn kòt sou kòb la soti. Mais yo di ke pa pote nan zin an pil diaspora pou afete. Bah longtemps depuis les parents pote qu'on en prison mais les parents viennent la gueule en prison li pa t'en a fait avec pièce mon avec aux états ou qui ça qui a cause la molle m'ba konn ça mais son complot est-ce que dans avec mon yo li pa t'en complot avec mon yo est-ce que pa t'en avec sauf que m'dou ça sauf que son petite discussion tout petit qui mène pas à mon côté lié à eh bien yo cob nan me yo yo gen moun ki met tête avec cob nan me yo yo tire papa. Mais nous pas déjà au courant de nous pas au courant mais majorité moun bois de au courant papa m'a mouri et bien moun qui fait noir c'est dans zone là yoyé nous pas obligé ouvrir business là nous obligé abriter nous en côté parce que moun qui fait aller dans zone là rete c'est bois de papa m'a rete bois de ni Metouche ni Edwins rete mais moun yo arrêté kounya là. Arrêtez, parce que nous... Ça a arrêté à l'élève Edwins. Si tu n'as qu'ils ont dû arrêter là. Mont-Saint-Nicolas. Et l'autre là même, côté lui. M'pas qu'on côté l'autre là. Côté famille, parce que c'est mon zone là. Mon zone là, mon bois de yo. Oui. Mon dit, tu es dans avec le canal. Oui, si monsieur, tu es dans avec le canal. Qui ça que tu es la cause que tu es dans avec? Non, pas, m'pas qu'on est. Non, pas quoi? Non. Mais on dit que tu es un monde qui demande une rencontre. Est-ce que c'est pas pour qui pas de papa m'vle pour rencontre là, si monsieur, tu es papa m'nak pas pour qui pas vini nan rencontre là. Sauf que me connais te gen rencontre qui t'a fait papa me paraît les voye d'aide ti monsieur pas paraît à dossier journée mondiale timoun ça va dans démarre journal là pour du responsable organisation enfants chrétiens haïtiens dans ville Gonaïve parce abcès d'Aceus dans occasion journée nationale timoun yo hier dimanche 13 juin 2021 fait connait yo mette un bout à congrès yo t'est organisé qui t'est démarré depuis 11 juin qui bout à hier dimanche 13 juin 2021 dans occasion fête timoun yo dans pays d'Haïti dans moment yo t'a commémoré journée ça. Pasteur Abcès d'Aceus déclaré, c'est sous thème ça, Timounio gen droit ak devoir yo, yo fête journée nationale Timounio. Pasteur d'Aceus souhaité pour autorité yo, pour en considération, recommandation, plusieurs pays, te fait pays d'Haïti, pour capable arriver traiter Timounio dans pays comme ça droit. Pasteur Abcès d'Aceus, alias, pasteur Diffé. 20e congrès annuel, Organisation des enfants chrétiens haïtiens OECH qui est démarré officiellement depuis 11 pour arriver jeudi dimanche 13 juin hein, qui c'est la date ou encore le jour spécial que la loi du 2 juin alors 20 juin 1960 consacrée pour journée nationale Timounio. C'est dans objectif ça, nous réunir dans l'Alliance française là, pour que nous t'es capable, commémorer jour ça. Et Jean-Corwelle, distance sociale là, les respecter. Obligatoirement, nous t'aimons pour tout le monde
qui dans l'espace là pour te cacher ça que ouais qui fait. Donc c'est une façon pour nous capable dire encore si mon yo yo gen droit yo gagne devoir. C'est ce terme ça qui c'est l'enfant ses droits et ses devoirs. Donc dans ce ça gagne depuis notre troisième cycle moi t'avais dit examen périodique universel gagne plusieurs états qui fait des recommandations à Haïti. La question droit timon par exemple gagnent Algérie gagnent Canada gagnent Espagne pour me citer ça au seulement qui fait des recommandations avec gouvernement haïtien hein, sur question droit timon. Malheureusement ces recommandations y auraient été cachées dans tiroir moun pas connait yo, mais nous-mêmes na OECH nous cherchons pour nous voir yo ensemble de recommandations que certains États yo fait à gouvernement haïtien. On a écouté pasteur Dacius lui-même qui t'a parlé sur célébration journée nationale Timonio dimanche 13 juin 2021. Nous voulons parler de dossier politique pour nos dirigeants, Front Patriotique Populaire, Chaban Jean-Baptiste continue de dire pas d'accord pour l'organisation État américain OEA lui-même t'a impliqué dans arriver à une solution dans la crise qui a traversé le pays d'Haïti. Et puis, M. Jean-Baptiste dit tout, il pas attendre à quinquennien qui a sorti dans la dernière mission organisation État américain au début de faire dans le pays. Front Patriotique Populaire dit que l'organisation hémisphérique là toujours prend parti en faveur Jovenel Moïse avec le régime PHTK. Il est paysan papa là, papa importance avec dernière déclaration chef de l'État fait sous compte Twitter, il connaît parmi l'autre, il renouvelé détermination pour organiser référendum pour capable bailler pays à l'autre constitution ensemble avec tout élection à ça pour renouveler personnel politique là en dans pays. Nous invitons à écouter Chavan Jean-Baptiste qui est leader Front Patriotique et Populaire. Eh bien nous-mêmes, c'est toujours très clair. L'État en coup de l'Ocoroyé, OEA, est fait, est parti de, déjà parti, et pour PHTK. Et ça, c'est pas qu'on y est là. Donc, on a été joué, non, fait Matéli et vin président. Action Jovenel avec OEA, puis on a pris position contre pollution Venezuela. Donc, nous-mêmes, nous sommes toujours clairs que, c'est PHTK, la défense sont alliés PHTK. OEA déjà appuyé dictature PHTK, si Jovenel Moïse là, ils ont prouvé dans plusieurs occasions. Donc, les peuples haïtiens pas capables de faire rien et qui sortit bon côté OEA. Et nous capables de dire OEA, Kevin, bon, et parler à Jovenel pour qui complot au café contre les peuples haïtiens. Hein? Et puis en même temps, et couper de dirigeants politiques qui croient et dans eh bien nous-mêmes dans FPP et dans MPNP toute organisation fait partie de yo et que moi-même porte-parole nous et pas te croire dans visiteur nous condamner et comporte à bon alors le faut que nous dit et pas bon m'pas dit pas gagne monde mais je dis à pas capable bien plus que 1% population haïtienne là et les monde qui ont intérêt direct et dans pique c'est l'état et monde qui vient y manger yo et dans main Jovenel dans main pouvoir et de facto et PHTK et qui capable comme si yo pas réalité qui soutenir et Jovenel et m'crois c'est au moins 99% peuple haïtien et pas une parole Jovenel encore et majorité peuple haïtien gros majorité et pas considérer Jovenel comme président pays mais comme on est qui occupé illégalement et par les nationales cap chercher établir une dictature cap chercher mettre propre constitution pâle dans intérêt et PHTK avec des intérêts étrangers. On a écouté Chavan Jean-Baptiste qui est leader Front Patriotique Populaire. On a toujours été dans le dossier politique là, nous parlons dans nord-ouest pays, particulièrement dans Port de Paix pour nos populations Saint-Louis-du-Nord à travers coordination parti politique Petite Dessalines. Dieu parion pour qu'on a toute fourmi pour président République Jovenel Moïse avec tout ancien président Joseph Michel Martelly pour volume promesse. Il y a tous les deux dans le parti PHTK à travers population et qui toujours été à l'oral. Coordination qui est dans la tête, Pierre Réginal, Jules Bernard,
Alexis pour mettre pour traîner devant la justice agent exécutif intérimaire monsieur Gaston Estima ensemble avec visé les garantissement commune Yvener Orelom puisque c'est eux-mêmes qui t'a géré ensemble projet ça pendant demander bonjour explication sur ces projets ça yo tant coup construction débarcadère courant 2484 construction pont rivière débat qui campait en route alors que tu gagne environ $500,000 américains qui est débloqué toujours pour capable exécuter ensemble projet ça yo dans ce sens nous vidéo côté Pierre Original avec Jules Bernard Alexis dans micro correspondant nous qui dans département nord-ouest là c'est Jean Wiskis. Il y a un ensemble de projets qui étaient commencés en dans la commune et Britsoukou. Tout projet ça yo campé 2017. Et dans la résolution si là, ensemble ministre, c'est décidé pour l'État de débloquer dans un deuxième temps $600,000 américain. Et projet a commencé l'ICAMPE. Nous-mêmes, en tant que structure politique responsable et qui défendent l'intérêt supérieur de la commune Saint-Louis du Nord, nous exigeons à ensemble autorités locales. Nous voulons parler de Gaston Estima, qui est président du conseil administration communale là, et délégué Yvener, qui est représentant pouvoir exécutif là dans la commune. Et directeur départemental TPTCA, parce que c'est TPTC qui était en charge pour te faire supervision comme représentant de l'État en tant que projet ça. Le fait que le projet a campé, nous-mêmes nous exigeons que nous avons une explication et nous exigeons que le projet a continué jusqu'à ce qu'il finisse. Et si, dans un temps record, ils ne mettent pas main dans le débat nous-mêmes, au niveau coordination communale petite de Salinas, nous prenons direction la justice. En 2016, ce n'est pas nous qui avons dit Jovenel Moïse pour nous dire que comme courant, c'est lui dit nous en mandat à Jovenel Moïse, il finit déjà. Il choisit d'être sous pouvoir. Dans Jovenel Moïse, voyez à quoi l'Italie pour elle prend majorité matérielle qui gagne mon vent pour qu'elle même y a mette dans la centrale énergie non renouvelable à faire dans le pote payant pour qu'elle soit capable d'alimenter la commune Saint-Louis du Nord. Nous ne pouvons pas accepter énergie non renouvelable dans la commune Saint-Louis du Nord. Nous ne pouvons pas accepter Jovenel Moïse, la petite génératrice, deuxième million pour venir alimenter la commune Saint-Louis du Nord. Dans Jovenel Moïse est venu dans la commune Saint-Louis du Nord, l'idée du soleil là, je comprends ce que j'étais capable de faire avec le soleil là. Avec le soleil là, on est capable de produire l'énergie de la lumière qui est l'énergie solaire. On est capable de prendre l'énergie électrique avec ça. L'idée parle de l'eau, hein. L'eau vient en bas, c'est dans la mer pour aller. L'idée parle de vent. Quand l'air te paraît dans mon vent, nous espérons quelque chose dans le président Jovenel Moïse. Nous devons dire ça au président qui a pensé qu'il pourrait bailler la commune Saint-Louis du Nord. Et dans le même moment, ça a été dit, c'est nord-ouest, oui. La pas alimenté, la pas courant 24 sur 24. Actuellement là, nous déçus. Moïse. C'est nous-mêmes qui devons venir pour nous faire pont malgré nous manger majorité comme pont ça. Vous venez aujourd'hui, vous voyez à quoi lit tout pour aller dans l'espace ça, pour vous dire comment l'eau vient de bas à manger terrain mounio. Pour vous dire comment l'eau vient de bas lui-même, il va venir quitter mon dormi. Que l'eau presque prend pied pour moi. Dans Jovenel Moïse Bafouel. Michel Joseph Mateli Bafoué commune Saint-Louis du Nord, c'est ça fait Mounsao, peuple Saint-Louis du Nord, il pas oublier nous. Il pas oublier nous, il dit nous, il y a une réponse pour nous. Allô, 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 mais qui bigo point abdominal actualité dans le journal là. Attention, en témoin de 17 hôtels dans ville Gonaïve, hier lundi 14 juillet 2021, côté caoutchouc taboulé, route est bloqué, croisé en croix, dans Pogodin avec sous route nationale numéro 1, dans avenue des dates. Revendication mounio, c'est pour joindre gaz, pour fonctionner, et il y a environ 10 ans qui ont déclenché un mouvement manifestation qui a brûlé contre le président républicain d'après information.
Tension est également montée 17 hôtels dans la capitale pays en Port-au-Prince. Côté gang Genève en famille et allié, ils ont pris contrôle de la capitale pays. Côté que tu as tiré coup de zame, tribord et pas bord en bas la ville, même avec en bas d'Elma, mais dessous, avec route aéroport, côté un pile coup de zame, tu as tiré employé qui dans Universal Motors connaît un moment difficile. Nous ne jodi, même avec employé qui dans Unibank dans ce qui sale qui sur route aéroport. Face à climat et insécurité qui gagne dans le pays, il y a un avocat sans frontières qui demande l'État haïtien pour garantir un niveau de vie acceptable pour que capable faciliter l'accès, sécurité à services de base pour tout le monde qui a déplacé dans le pays. Connaissant ça, il y a un avocat sans frontières qui renouvelé rapport RNDDH dans côté de faire qu'il y a plus de 80 personnes qui mourent en bas balle et il y a plusieurs dizaines d'autres qui portent disparu dans le pays. D'après avocat sans frontières qui a relaté un rapport réseau national qui a défendu Bounio RNDDH. Dossier police nationale, 12 juin passé à la police nationale pays d'Haïti a célébré 26e anniversaire. Dans ce sens, le directeur général police là, pour petit bout de temps, Léon Charles, déclaré bien fort PNH là, a précisé à toute situation difficile, l'a rencontré et l'a sorti vainqueur devant ce qui a passé dans le pays. Pendant ce temps, RNDDH révèle qu'il y a plus de 32 policiers qui sont tombés en bas balle pour seulement moitié année 2021, sorti mois janvier pour arriver dans le commencement mois juin 2021. RNDDH a fait rapport à sorti dans l'occasion du 26e anniversaire police nationale pays d'Haïti, qui a célébré le samedi 12 juin passé. Dans l'occasion ça, RNDDH organisé devant local dans Riel Rivière une exposition photo côté plusieurs dizaines de policiers qui tombé en babal pendant deux dernières années. Plus loin, organisation Cap défendre loi Mounio dit qu'il y a plus de 60 policiers dans unité spécialisée qui en détachement avec autorité ou bien avec citoyens en dans secteur privé. Donc dans ce sens, NDDH dit qu'il y a un gros cassé pour avenir institution. Responsable conseil haïtien acteur qui va dans l'état, Edouard Paul, très qualifié comme irresponsable, déclaration du directeur PNH, Léon Charles, qui était dans la population, pour être capable de révolter face à l'action gang armée. Dans ce sens-là, il m'a dit, Léon Charles, directeur général pour un petit bout de police nationale, pour le bail démissionner, s'il n'est pas capable de permettre aux policiers d'accomplir mission, qui c'est protéger et servir la population. Dans le dossier organisation État américain, dans la dernière visite, le dirigeant pour patriotique populaire, Chavan Jean-Baptiste, continue de dire, il n'y a pas d'accord pour OEA lui-même t'a impliqué dans chercher solution dans la crise qui a traversé le pays d'Haïti. Dans notre pays, la population Saint-Louis à travers coordination parti politique, Président de Saline, pareil, on peut connaître toute fourmi pour président de facto, Jovenel Moïse avec tout Joseph Michel Matéli, pour volume promesse sur des faits population qui toujours été à l'oral. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.